Et voilà qui s'élance, le numéro 6, Jesus Rock est bien parti, avec également le numéro 5, Sir Robert. À l'extérieur, Barjal fait partie du groupe de tête. Le numéro 9, Batum de Cormont, a été un petit peu repris, faute de Banco des Bordes, le 3. Banco des Bordes est au galop et il va certainement être disqualifié. Beauchanger, le 11, a hésité lui aussi, faute à l'arrière du numéro 12, Best Genilou. On a perdu 3 concurrents en début de course, alors que ça s'est bien passé pour faute de Bobo Rafal. Bobo Rafal au galop à son tour. Plusieurs chevaux fautifs en début de course. En revanche, ça s'est bien passé pour Barjal qui vient aux commandes. C'est le favori de la course. En deuxième position, il y a Jesus Rock, le numéro 6, accompagné par le numéro 8, Sergent Piper. Le long de la corde, l'as Bon Copain Kazakh Bleu est bien placé. Tout à l'extérieur, Batum de Cormont, numéro 9, progresse. Devant encore le numéro 5, Sir Robert, qui est bien placé. Franck Nivard a placé Bionès, le numéro 2, en position de contre. Devant Baron Dubourg, Saphir Horse, le 10. Oh, faute du numéro 8. Oh, le 8, Sergent Piper, qui est au galop, qui a failli gêner un peu dans sa progression, Batum de Cormont. Et il a été disqualifié, ce numéro 8. Le 8 disqualifié, le 3 également, le 12 et le 13 sont disqualifiés. Bientôt le dernier kilomètre. 1-9-1 au chrono des 1500 avec Barjal, le 7 qui a l'avantage. Batum de Cormont, le 9 qui vient à son extérieur. Jesus Rock est 3e à la corde, accompagné par Sir Robert. L'As Bon Copain est sur une 3e ligne. À ses côtés, il y a Bionès, le numéro 2. Saphir Horse, le 10, qui hésite un petit peu à y aller. Alors que pour l'instant, le numéro 4, Baron Dubourg, patiente parmi les derniers du petit peloton. Devant le numéro 11, Beauchanger 1, qui ferme la marche. L'intersection des pistes est en vue pour Barjal, le 7, qui a toujours le meilleur. À son extérieur, le numéro 9, Batum de Cormont. Devant le 6, Jesus Rock. Sir Robert, le 5, est bien placé. Le 2, Bionès, un petit peu appuyé pour garder le contact. L'As, Bon Copain, tente de quitter la corde, alors que le numéro 10, Saphir Horse, vient maintenant à l'extérieur assez vite, tout comme le numéro 4, Baron Dubourg, qui lui a plutôt pris le chemin de la corde. Faute du numéro 2, Bionès est au galop et disparaît. La mi-tourne en finale. Barjal contrôle toujours les opérations. À ses côtés, Batum de Cormont, le 5, elle vient à l'extérieur. Sir Robert emmenant au large le numéro 10, Saphir Horse, qui lui accroche un petit peu la roue. Faute de Saphir Horse, qui disparaît alors que le numéro 1, Bon Copain, n'a pas l'ouverture. Les concurrents qui sont dans la ligne droite, Barjal, le numéro 7, à l'avantage. Jesus Rock, le 6, est en deuxième position. Devant encore, à l'extérieur, le numéro 5, Sir Robert, et le numéro 1, Bon Copain, qui termine correctement. Le 7, Barjal, à l'avantage dans les 100 derniers mètres sur le numéro 6, Jesus Rock, qui termine bien. Le 7, Barjal, contre le 6, Jesus Rock, le 7, Barjal, qui repousse l'offensive de son rival jusqu'au bout, le 6, Jesus Rock est le deuxième. Ensuite, c'est plus serré, peut-être le numéro 5, Sir Robert. À voir avec Baron Dubourg, le 4. Ensuite, l'As, Bon Copain.